Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai une solution pour vous. Une solution pour ceux qui souffrent des mycoses du cuir chevelu, qu'on appelle la teigne. D'accord ? En arabe, on l'appelle tounia. Tounia. C'est une mycose que les gens chopent sur les cheveux. Et comment soigner ? Alors nous, les Maghrébins, au fait, on soigne avec ça. Vous n'allez pas me croire. Je vous le jure à 100%. C'est au fait sur la tête, la mycose elle est là, elle fait des ronds. Il n'y a plus de cheveux, les gens ça y est, ils perdent leurs cheveux et ils ont une mycose qu'on appelle la teigne. En arabe on l'appelle tounia, tounia. La teigne en fait c'est une mycose qu'on chope. J'arrête pas de répéter la même chose. Vous savez avec quoi les Maghrébins, ils soignent ça? Au bout de 15 jours, touche ta tête. D'accord ? Et tu vas voir, tes cheveux, ils vont pousser naturellement. D'accord ? Mais il suffit de me suivre. Suivre mon conseil. Vous allez chez un mécanicien. D'accord ? N'ayez pas honte. Demandez si vous souffrez. D'accord ? Vous dites non, que c'est pour quelqu'un d'autre. Et vous lui demandez l'huile de moteur brûlée. Je vous le jure. L'huile de moteur brûlée. Celui qui est vraiment brûlé. D'accord ? C'est bon. Demandez-lui qu'il vous donne une bonne bouteille. Au lieu, parce qu'eux, ils les jettent. Parce qu'ils ne savent pas que ça sert à quelque chose. Et je vous assure, croyez-moi. Ça, c'est un soin des Maghrébins. L'huile de moteur brûlée, tu le prends chez toi. D'accord ? Et tu vas prendre une petite disquette de coton comme ça. D'accord ? 2 heures avant de dormir, c'est-à-dire quand tu sais que tu ne vas pas sortir. Tu prends un petit peu, d'accord, et tu vas frotter là où tu as chopé la mycose du cuir chevelu. Mais bien frotter, hein, serre. En même temps, tu vas faire circuler le sang qui est bloqué et tu serres. Pas serrer à mourir, non, mais bien frotter. Au moins 5 minutes. Stop. Le lendemain, pareil, 2 heures avant, tu ne vas pas frotter avec l'huile de moteur, mais tu vas frotter avec l'huile de cad. Un autre coton propre, t'es propre, ça y est. 2 heures avant que tu ailles te coucher, et tu frottes avec l'huile de cad. D'accord ? Moins 5 minutes. 3e jour, pareil, tu vas utiliser l'huile de moteur. Et ainsi de suite. Dans 15 jours, Rends-moi la réponse. Tes cheveux, ils ne vont pas pousser gris, ils vont pousser naturellement. D'accord ? Ils vont pousser. Là, tu vas toucher là où tu as chopé le mycose, qu'on appelle la teigne. Tu touches et tu vas toucher comme si, par exemple, quand on se rase, quand on prend le rasoir, on se rase. Et quand les poils ils commencent à pousser, quand on touche, ça griffe. Et bien, c'est tes cheveux qui vont pousser. Mais croyez-moi à 100%. Alors, l'huile de moteur, tu peux le filtrer. Tu n'es pas obligé de le filtrer, mais si tu veux le filtrer, filtre-le, d'accord, pour être sûr qu'il n'y a pas d'autre truc qui est tombé dedans. D'accord ? Et tu frottes 5 minutes, 10 minutes, c'est toi qui veux. Dans 15 jours, tes cheveux, ils commencent. Un mois, ils commencent à pousser naturellement. D'accord ? Et vous verrez. Par contre, si vous chopez des mycoses sur la peau, ça, je ne vous conseille pas d'utiliser les deux produits parce que vos poils ils vont repousser. Par exemple, vous avez des poils sur le bras et vous frottez, vous avez chopé une mycose et vous frottez, vous allez avoir des poils qui vont repousser. Donc faites attention, c'est que pour les cheveux, que pour le cuir chevelu, mais ce n'est pas fait pour les bras, ni pour les aisselles, ni pour le maillot, ni pour les jambes. Alors attention. D'accord ? Parce que ça fait pousser. Parce que moi, je vous dis ça, essayez et vous verrez. Mais pas sur la peau, sur le cuir chevelu, là où vous avez chopé le mycose de la tête. Par contre, pour la peau, je vous donnerai la prochaine fois une solution. Mais faites très attention. Donc, ne pas utiliser sur les enfants. Non. Ne pas utiliser sur une femme enceinte. Ne pas utiliser...
Une femme, par exemple, quand elle a ses règles, ne pas utiliser sur une femme qui allaite. Ça, non. Il faut pas être enceinte, il faut pas avoir ses règles, il faut pas. C'est pas un rituel, hein, c'est autre chose. Mais c'est-à-dire que les organes, les or, c'est-à-dire que la femme, elle a ses règles, donc ça, c'est autre chose. La femme, t'as tes règles, attends un petit peu, et après, tu commences. Les femmes qui allaitent, ne faites pas ça. L'huile de moteur brûlée, même si l'huile de moteur il date d'il y a 6 mois, c'est encore mieux. Et vous verrez, vos cheveux, ils vont repousser. Je vous dis à très bientôt et vous n'allez pas me croire. On se donne rendez-vous dans 15 jours, un mois. Rendez-moi la réponse. Laissez-moi un commentaire. À bientôt.